Il faut que je vous raconte cette histoire en forme de conte. Puisque ma gratte est accordée, je vais vous la chanter. Il y a juste derrière chez moi un grand parc entouré d'un bois, trois fois rien d'extraordinaire. De l'eau, des espaces verts, c'est une base de loisirs. Ne vous attendez pas au pire, cette chanson termine bien. Tout le monde finit sauf Essain. Dans ce petit coin de nature viennent y respirer l'air pur toutes les foules du dimanche. Des belles filles qui se déhanchent, des passionnés de marche à pied, des sportifs bien entraînés en roller ou sur leur vélo, de prétentieux couples bobos, on n'a rien exhibitionniste, la tête en l'air, les artistes, par centaines les promeneurs, en chaise longue les pêcheurs, nageant au milieu de l'étang, de majestueux signes blancs pointent la touche amicale d'une carte postale. Suis-je privilégié, peut-être, toujours est-il que ma fenêtre m'offre les toutes premières loges de ce lieu dont je fais l'éloge. Or il se trouva qu'un matin, vivant cet acte peu commun, je vis des oiseaux de passage, une quinzaine d'oies sauvages prendre de tous ces lieux l'assaut. Je suppose un peu de repos, profitant des morceaux de pain que leur jetèrent mes gamins. L'accueil se fit naturel, et tous les jours de plus belle, apportant été comme hiver, le gîte et le couvert, point de chasseur à l'horizon, la quiétude en toute saison, en cas de tempête un abri, la paille changée tous les lundis, la police municipale, par arrêté préfectoral, qui vient faire au bougre du sort, office de garde du corps, les passants badants amusés, qui viennent les photographier, et pour elle seule tous ces hectares, une vraie vie de star. Bonne augure de parler de grandes aventures, mais aller vivre au jour le jour, on tient tout autre discours. Un oiseau, c'est pas moins malin. Elles prirent comme tout un chacun une décision perspicace. Elles sont restées sur place. Fini l'inquiétude et le doute de ne pas être en bonne route. Oublier tous les kilomètres, la migration de leurs ancêtres, le choix de s'en remettre à Dieu, le choix de vivre jeune ou vieux et ne jamais manger à table. Ça devient très inconfortable, risquer de se tordre le cou à chaque instant, on ne sait où, pour crever dans l'anonymat. Bref, elles sont restées là. Moi qui pensais qu'il était bien, comme dans les poèmes de Richepin. Moi qui croyais qu'il était sage d'être un oiseau de passage. Moi qui les vis s'embourgeoiser, leur vie de bohème oubliée. Au matin pris mon sac à dos, parti au fil de l'eau. Sur le chemin, un brin rêveur, devenu voyageur.